Bonsoir à toutes et tous, Last Memory, je suis très heureux de vous retrouver ici sur ma chaîne pour un nouveau sujet de vie en gameplay. Alors ça fait 3 semaines exactement que j'ai pas posté de contenu, non pas par manque d'envie, mais par manque cruellement de temps. Je m'en excuse pour ceux qui aiment encore regarder mes sujets de vie, mais c'est vrai que le temps me manque et pour plusieurs raisons, vous le savez très bien, je vais pas y revenir 25 fois dessus. Mais mon travail est assez prenant, bien que passionnant. Et puis une nouvelle chose est arrivée dans ma vie, qui a fait que le temps me restant s'est considérablement divisé par deux. Et c'est normal, et c'est également donc le sujet de cette vidéo. Alors, au risque de paraître cuculapraline, comme on dit chez moi, ou que le sujet ne soit pas forcément pertinent, parce que c'est vrai que j'ai traité des sujets beaucoup plus complets, complexes. Mais la rencontre amoureuse, pour moi, fait partie complètement intégrante de la vie. Et là, c'est lot de conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle fait, comment dire ça? Elle nous sert à grandir. Voilà. Les rencontres, toutes rencontres, qu'elles soient amicales et bien évidemment amoureuses, nous servent, quoi qu'on dise, à grandir. Alors, c'est vrai que j'ai déjà traité de beaucoup de sujets sur ce champ lexical de l'amour, notamment la séparation amoureuse. Mais j'ai pas à proprement parler de la rencontre et surtout de l'impact que ça peut avoir bénéfique sur la vie, parce que c'est vrai que quand on traite la séparation, on voit les 3/4 du temps les aspects négatifs, mais il existe bien évidemment pas que ça dans l'amour, il existe plein de bonnes choses. Et ça m'est arrivé très récemment. Alors, je voulais le partager avec vous, non pas partager ma vie, mais vous partager ce fait-là, parce qu'on est nombreux, je pense, dans ceux qui vont m'écouter, à avoir connu la rencontre amoureuse, heureusement. Pour ceux qui n'ont pas encore connu, ça viendra. Soit vous êtes encore trop jeune, soit vous êtes peut-être trop timide, et vous fermez facilement les portes à ce qui peut être, à ce qui peut ressembler à de l'amour. Alors, j'ai aujourd'hui 32 ans et j'ai connu des fortes déceptions amoureuses et de belles rencontres également qui ont jonché donc jusqu'à mon âge aujourd'hui. Et c'est vrai que, quoi qu'on dise, les rencontres d'avant servent aux rencontres d'après. Alors, c'est un peu difficile d'expliquer ça, mais parce qu'il ne faut pas non plus croire que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui ou que vous avez rencontré aujourd'hui est le produit des échecs d'avant. C'est pas que ça, heureusement, sinon c'est horrible. On aurait l'image de. Ça veut dire que ma copine, je la vois comme une succession d'échecs et ça a donné cette rencontre. Non. Bien évidemment que non. Mais les échecs font bien évidemment partie intégrante de cette rencontre, sans l'être complètement. Ils sont même mineurs, mais ils en font partie. Oui, c'est évident. Je veux dire, j'ai. Comme beaucoup, j'espère, connu des échecs sentimentaux, des douleurs sentimentales, jusqu'à perdre du poids. Et la douleur sentimentale, elle est tout simplement liée à la confiance que vous avez donnée à la personne. Et que cette confiance-là soit a été trahie, soit vous-même vous avez trahi la confiance de votre partenaire. Et ça a donné lieu tout simplement à l'étiolement, à la disparition crescendo des sentiments l'un envers l'autre. On peut, quand, pourquoi la rencontre amoureuse est compliquée? Parce que généralement, alors quand c'est la première fois, c'est complètement différent, mais j'avais traité le premier amour, donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là, comme ça je ne ferai pas de paraphrase et je ne reviendrai pas en arrière. Mais quand vous avez donc eu une, deux, trois ou plusieurs histoires, vous faites toujours étalage et un bilan, enfin je vous le conseille en tout cas, de ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui fait que ces histoires se sont arrêtées, c'est parfois votre faute, parfois la faute de la partenaire ou du partenaire. Et c'est compliqué quand on a connu une grosse déception sentimentale, de redonner confiance en la personne, surtout quand, le cas échéant, généralement quand vous avez été déçu sentimentalement ou que vous avez été très malheureux, c'est que on a trahi votre confiance, trahi ce que vous avez pu donner. Ou que ce que vous avez donné, ce que vous avez donné pardon, à la personne n'a pas eu l'effet escompté, elle vous l'a pas forcément rendu, et pire, elle s'est jouée de vous. C'est super compliqué derrière, quand une nouvelle rencontre apparaît, parce que c'est souvent, hein, je ne le croyais pas, mais ça vous tombe sur le coin de la gueule, c'est clair, net et précis.
Quand on cherche le moins, c'est là que ça arrive. Quand je cherchais, ça a été catastrophique. Et là, je m'y attendais plus parce que j'y croyais pas forcément. Et puis parce que je donnais peut-être un peu trop de cœur à mon travail. Est arrivée cette fille au bon moment, au bon endroit. Et quand je dis au bon moment, c'est au bon moment dans l'étape de ma vie où j'en suis. Elle est arrivée et indéniablement, sans le vouloir, elle a su déjà me redonner confiance. Parce que faut savoir que quand on a connu des déceptions amoureuses, et vous êtes certainement nombreux, on perd également confiance en soi. Et en plus de ne plus donner sa confiance, on perd celle soi-même. Et c'est ça le plus compliqué. Alors quand cette nouvelle personne réussit à vous redonner confiance en vous, c'est quelque chose qui est extraordinaire. J'ai l'impression que ça va quasiment presque au-delà de l'amour, parce que avoir confiance en soi, c'est tellement important pour toutes les choses de la vie. Quand vous entreprenez quelque chose, que ce soit un sentiment ou d'un aspect professionnel ou dans l'amitié ou dans l'aspect tout simplement personnel, si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'y arriverez pas. Ouais, il faut être très, très clair, très net, précis. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il faut croire en soi, sans bien évidemment se croire le meilleur ou le plus beau, le plus fort, parce que là, généralement, la chute est encore plus haute, si j'ose dire, quand on est persuadé d'être le meilleur. Difficile mélange d'ailleurs que d'avoir confiance en soi et de ne pas se la péter. Difficile de trouver le juste milieu, mais la vie fait qu'on finit par trouver le juste milieu. Bon, pour en revenir à mes moutons, la rencontre amoureuse, la vraie, même quand on n'y croit plus, elle se définit par ça, par ce fait que vous reprenez confiance en vous et que tout simplement cette personne-là devient au fil du temps comme une évidence, comme une priorité, comme une dépendance. Et comme si on redécouvrait en fait l'amour, parce que c'est vrai que quand on a connu beaucoup d'échecs, enfin ou des échecs sentimentaux, pas forcément beaucoup, il suffit qu'on en ait connu un violent, eh bien c'est marrant parce que c'est compliqué, ça reste chimique, hein, vous savez, c'est compliqué à expliquer, mais ça devient comme une évidence et elle fait partie intégrante de votre vie. Tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, c'est vrai que moi j'avais mes routines et surtout ma routine professionnelle, et puis elle a changé complètement ma vision des choses, ma vie, mes priorités. Et bizarrement, quand j'étais persuadé par exemple de jamais avoir le temps, de persuadé que mon boulot me prenait tellement de temps que j'avais même pas le temps pour moi, je finis aujourd'hui par évidence, non pas avoir du temps pour moi, mais avoir du temps pour moi et pour elle, c'est-à-dire du temps pour deux. Comme quoi on finit par y arriver, à aménager son temps, sa patience, pour partager de bons moments. Parce qu'il est là le secret. Y a pas que, c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'échec dans l'amour. Il y a tellement de belles choses, tellement de sourires, tellement de. C'est tellement bien d'entendre la voix de quelqu'un le matin en se réveillant ou le soir en se couchant. Tellement important d'entendre dire que tu es beau. Voilà, vous êtes belle, hein, je me mets à la place d'une fille et c'est tellement important d'entendre ça. Alors ça fait peut-être cucul après ligne comme je disais, mais j'avais vraiment envie de traiter cet aspect-là parce que vous savez c'est essentiel quoi. Je veux dire c'est essentiel. D'ailleurs qu'on soit hétéro ou homo c'est pareil. C'est essentiel de s'aimer. L'amour c'est essentiel. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais traité le sujet de l'homosexualité parce que vous reprochez quoi aux homosexuels? Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que la société reproche aux homosexuels à part le fait qu'ils s'aiment? À quel moment ces gens-là vous font du mal? C'est un autre sujet, mais ça d'ailleurs, ça me fait péter un plomb, moi, les gens qui reprochent aux gens ou qui insultent les gens parce qu'ils sont homosexuels. Et alors, quoi? Genre, à quel moment ils vous emmerdent ou ils interfèrent sur votre vie, quoi? Moi, j'ai un peu de mal, quoi. Mais le seul conseil que je peux donner à travers la rencontre amoureuse qui bien évidemment vous fait découvrir donc ce qu'est le bien-être, le bonheur, mais également les disputes, parce que quand on est à deux, on se dispute, hein, ça arrive, et c'est même d'ailleurs important de se disputer, parce que ça met un peu de peps. Il faut bien évidemment que les disputes finissent pas avec les assiettes ou les couverts à travers la gueule, mais c'est tellement bien de se retrouver derrière après une dispute. Je me suis disputé il n'y a pas très longtemps avec ma copine. Et c'était tellement bien de se retrouver derrière, c'était limite mieux. Alors, je dis pas qu'il faut se disputer forcément pour mieux se retrouver, mais. La dispute est aussi constructive, c'est ma façon de penser, mais il n'y a rien de plus platonique qu'un couple parfait qui s'engueule jamais, où ils sont d'accord sur tout. J'ai horreur, moi, d'être en accord permanent avec la personne avec qui je partage ma vie. C'est tellement important d'avoir des désaccords, de pouvoir construire plein de choses, d'avoir des avis différents. Voilà, pour tout, pour tous les sujets, c'est génial parce que ça permet un vrai débat, une vraie discussion, une vraie construction saine sur plein de choses de la vie. Elle est d'ailleurs au courant que je suis sur YouTube.
Et j'ai un peu de cul parce qu'elle adore mes vidéos. Je sais qu'elle regardera celle-là d'ailleurs. La seule chose que je peux vous dire vraiment toute simplicité, et c'est personnel, mais c'est vraiment une chose que je voudrais vous partager. Vous savez, pour tous ceux qui ont des déceptions sentimentales, ceux qui croient plus en l'amour, ceux qui pensent que c'est des ratés, que c'est pas fait pour eux, ils ont que ce qu'ils méritent parce qu'ils souffrent. Putain, balayez ça, quoi. Parce que moi, je l'ai passé, cette époque-là, c'était de la dépression sentimentale, ni plus ni moins. Vous savez, d'ailleurs, c'est un sujet que j'aborderai, la dépression sentimentale, parce que j'y tiens beaucoup, parce que je l'ai vécu, et parce que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et qui m'a servi aujourd'hui. Ne voyez surtout pas les nouvelles rencontres comme des pions, comme des remplacements, comme des. Vous savez, on connaît tous, hein, le copain ou la copine de transition, celle qui malheureusement vous permet, ou celui qui vous permet d'oublier votre histoire douloureuse. Mais mettez-y du cœur et surtout essayez. Parce que plus vous vous persuadez que vous n'y arriverez pas, plus vous vous persuadez que vous n'êtes pas fait pour ça, plus vous vous persuadez que vous êtes fait que pour souffrir, moins vous y arriverez. On arrive au tome principal qui était que ayez confiance en vous. Et je peux vous promettre qu'il y a plein de belles choses qui vous attendront. Et que ça vous arrive sur le coin de la gueule au moment où vous l'attendrez le moins. Et je voudrais terminer cette vidéo par un simple message à celle que j'aime. Marie, reste comme tu es, parce que c'est comme ça que je t'aime, avec tes qualités, mais aussi avec tes défauts. Je t'aime. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. D'ici là, surtout, et c'est le plus important, prenez soin de vous. Adi chats.